Salam alaikum, bienvenue dans Bref de campagne sur Alcomoria. Toute l'équipe de votre média Alcomoria vous souhaite une bonne année 2024. La campagne électorale s'est accélérée ces derniers jours. Le parti Joua a envahi les rues d'Anjouan et a démontré qu'il contrôle toujours cette île. Un carnaval a fait le tour du chef-lieu le 31 décembre, la veille du grand meeting de son candidat, Dr Salim Issa. Sur la route de l'aéroport, la gendarmerie a tenté de disperser la marche des militants Joua avec des grenades lacrymogènes. Toujours à Anjouan, Burhan Hamidou a fait carton plein pour son premier meeting dans la ville de Wani. Une capacité de mobilisation qui a été impressionnante. Mouini Baraka était en tournée sur l'île de Moéli. Il a tenu un meeting à Fomboni. Yonti tajiri ya joshinderi lele. Shezi fanyi wawo, doka lewo, damu mnikoni mfano. Rango mwezi wa Februari wa 2023. Hato mwezi wa Februari wa 2024, azala asumani, gurumiyo miliari mfukare, mapesa ya Komor, ya rengawo yetembe ya uharmwe Afrika. Le candidat Azali Assoumani enchaîne les meetings dans lesquels la présence de fonctionnaires de l'État et leurs proches se fait toujours remarquer. Abdou Souaifou a tenu un discours choc contre Azali Amouadja. L'ex-allié d'Azali a sévèrement critiqué le président sortant pour sa position sur la grève des enseignants. Il a également dénoncé le fait que les candidats ne sont pas traités sur le même pied d'égalité. Mohamed Douadou Kiki a ouvert plusieurs QG de campagne, mais le candidat du parti Orange n'a tenu qu'un seul grand meeting pour le moment. Voilà ce qu'il fallait retenir de la campagne électorale en ce mercredi 3 janvier 2024. À bientôt sur Alcomoria. Ne ratez rien de l'actualité des élections de 2024 sur votre média Alcomoria. Suivez-nous sur Facebook, TikTok, X et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver l'intégralité des informations sur alcomoria.net.